Entourée de montagnes et de l'océan Pacifique, la Première Nation Ahauset réside dans l'île de Vancouver. Il s'agit d'un endroit magnifique, mais qui rappelle d'horribles souvenirs à Daniel Frank. Ce sont les souvenirs de l'externat indien Ahauset. I turned to alcohol and drugs as a young kid, coming from a broken family, being in residential school, getting abused in day school. That's why I turned to drugs and alcohol, to hide the pain. That was the hardest time of my life. Like, I couldn't tell my mom. It's like, if I told my mom bad news, she'd just get mad at us if I told her bad news. So I never ever told my mom. We'd get hit by rulers, yardsticks, even chalkboard brushes they'd throw at us. They wouldn't hit us with a flat side of a stick, hit us in the sideways on our wrists. There's other teachers that used to use straps, they had leather straps. My sisters went through that, brothers. My brother got hit so bad he had to get operated on his wrist. It was hard day school. It was worse than residential school. Daniel Frank affirme que d'autres élèves et lui ont subi des années de viol, de mauvais traitements et de torture dans leur enfance. Ils l'ont survécu, mais malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas connu le même sort. APTN a découvert que 200 élèves sont morts alors qu'ils fréquentaient des externats répartis dans tout le pays. Grâce à une demande d'accès à l'information visant 46 écoles pour la période de 1916 à 1996, les décès sont souvent mentionnés de façon informelle sur la liste nominative des élèves. Des mémos, des rapports de directeurs, certains ont même été notés à la main. La majorité des documents contenaient très peu de détails sur les décès. Pour plusieurs enfants, les responsables scolaires ont indiqué que la maladie ou la noyade était la cause du décès. 10 de ces décès sont survenus à l'école de Daniel Frank. Il dit que la nouvelle est douloureuse à entendre, mais pas surprenante. It's sad, it's sad, it's taken away from their family, didn't get a chance to become something, someone. Things like that, it hurts me because you can't tell anybody when they get angry and you just keep it to yourself. And that's what we're good at, keeping stuff to ourselves. Comme pour les pensionnats, on estime que 200 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter les externats. La principale différence, c'est qu'ils rentraient chez eux à la fin de la journée. L'externat indien Ahauset a été ouvert de 1940 à 1985. L'école a été partiellement démolie il y a plusieurs décennies. Mais un dernier bâtiment est toujours debout. Et Daniel Frank affirme que les terrains des anciens externats devraient également être fouillés à la recherche de tombes. Yeah. Take it on as my fault. Eh? What did I do? Why? The thing is, I'm not giving up on. I know there's hope. Where there's a will, there's a way. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelle Nationale d'APTN, Première Nation Ahauset, Colombie-Britannique.